y a trois personnes qui sont venues et qui m'ont agressé, et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. C'est quoi ça? D'un coup, on a vu genre une dizaine de policiers arriver. Donc sur le pont, on pensait que c'était une attaque terroriste ou une prise d'otage. Et en fait, ben non, c'était même pas ça. Mais c'était hyper choquant. On a vu des mineurs, ils ont attrapé des mineurs, ils les ont plaqués au sol. C'était une intervention comme si c'était une attaque terroriste. Mais pas du tout en fait. Ils l'ont attrapé, ils l'ont plaqué sur le sol. Et de là, on voit un policier qui se met sur lui et qui le rue de coups. Dernière formation, vous sortez avec les mains en avant. Dépêchez-vous. Ils ont sorti, je pense, 2-3 personnes. Il y a un petit qui est sorti, ils l'ont plaqué contre le sol entre deux véhicules. Ils l'ont tiré au sol et ils l'ont tabassé, quoi, coup de matraque. La violence avec laquelle ils ont attrapé Michel et même les autres mineurs, c'était très choquant. Donc sur le coup, on regarde, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi ? On cherche même pas à se dire oui, il y a la police, on se dit qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Sinon je serais pas en face de vous aujourd'hui et vous serez tous en train de faire des sujets sur moi parce que j'aurais pris l'arme de policier, j'aurais agressé un policier, j'aurais mis des coups de poing à un policier. Voilà, tout ça c'est faux. Je n'ai rien fait de tout ça.